c'est le moment où on se retrouve aujourd'hui pour la suite du display de The Witcher 3 sur PC. La dernière fois, nous nous étions arrêtés ici après que mon disque dur se soit saturé, donc ça a fait une vidéo plus courte, désolé. Donc on va tout de suite continuer en repassant par là. Ah oui, donc c'est vrai, vous avez pas vu ça, mais... Ok, donc normalement quand on passe ici, on a une cinématique, ils nous disent comment passer, etc. Donc on est passé. Donc voilà, donc on continue. Faire un peu le tour de tout ce qu'il y a. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi, oui. Je peux pas l'ouvrir celui-là. Ah bon, ok. Pourquoi j'ai la voir qui peut... Attendez. Meurs aussi, désolé. Oui, donc je sais pas voir où elle partait en couille. Donc. Faisons un petit peu le tour de la zone. Plein de champignons. Ah oui, ça. Il est tordu. Alors. J'espère que c'est quand même fluide. Hein. J'ai essayé quand même de modifier un peu les graphismes. Hein. Oula. Il a l'air d'avoir quelque chose là-bas. Voyons voir. Ah, c'est fermé, d'accord. Continuons à faire le petit tour de la zone. Hein. Ah, l'arbre en dessous a disparu. Il est là, waouh, c'est pas assez magique. Comment ça c'est qu'il glisse? On va se reposer, genre une méditation de 1 heure, voilà. Là c'est mieux, méditation de 1 heure j'ai dit, merci. Alors, la suite. Plein de trucs à ramasser, c'est nice. Est-ce que je me serais bloqué là par hasard? Non, c'est... C'est bon. J'ai cru que je m'étais bloqué. J'avais cru que je m'étais bloqué. Mais non, mais... C'est chiant ça. Comment ça se fait qu'ils sont aussi agressifs? C'est vraiment chiant. Hein. En plus, je me retape ça à chaque fois. Tu les rafles, c'est pire que dans le métro, quoi. Oui, je ferai attention cette fois-ci. Ok. Ça, là, je sauvegarde. Parce que je n'ai pas envie de perdre mon argent pour rien. Alors, oui, d'ailleurs, on a combien? Ah, quelqu'un m'a envoyé un message, attendez. Ok. Ah, ce mongol. Donc,
school of command. Do not get food. Not from me. Yes, true. Faut pas passer par là. Je préfère sauter plutôt qu'essayer de passer à côté de lui, hein. Ah ok. Oh là 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 là, c'est vrai. Ah, il y aurait une armure. D'accord. D'accord. Est-ce que je peux mettre les deux à la fois? Ouais, je peux mettre les deux à la fois. Password. Don't know any. So, out for a little walk, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters, they got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Morale holding up around here? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? Show me what you're peddling. Okay. Pardon à tous. Un peu tout ce qui est inutile, ça on le garde, c'est pour plus tard. Et ça on le garde aussi. J'essaie de regarder ce que je peux faire. Je vais tout garder en fait, là je vais rien utiliser. J'essaie juste de voir, ouais c'est ça. Ah flûte, j'ai pas regardé ce qu'ils vendaient. Un peu cher. Un peu cher mais forte. Ok. J'essaie de voir ce que je peux faire. Comment je vais m'y prendre. Comme ça. Je suis sûr de vendre double de son prix. Ah bah plus que ça même. Prenons ça. Pas mauvais, pas mauvais. Je la veux cette arme, je la veux et reveux. C'est une blague. C'est une blague. C'est quoi cette vente démesurée? D'accord.
que la meilleure épée ce serait celle-là, quoi. Celle-là, c'est niveau 13, alors là, pour. D'accord. C'est juste pour valider l'option que j'ai fait ça, hein. So long. Je suis assez dégoûté, je peux vous le dire. Parce que je crois que j'avais de la poussière dans les bras d'un moment. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an Excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it. And I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a battue. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Marché conclu. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone, this will not be easy. What do you require? I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this, but I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died, look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He
has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. D'accord, au revoir. Tamira and Mislav. Thanks. Es sun diakto. Ok. Faisons un petit peu le tour de la zone, hein. D'accord. On va améliorer un peu tout, vite fait. Alors, pas inventaire, carte du monde. Oui, c'est bien sûr, elle est là. Les deux sens de sorceleur, d'accord. Allez, sortons. Ouais, vas-y, glisse. C'est n'importe quoi. Donc, allons nous téléporter. À la zone, tout simplement. Celle-ci. Donc on se téléporte par là. Ouais, ouais. Ok. Alors. Allons-y. Oh, des lièvres qui sont mignons. Ouais, c'est vrai, j'ai une torche, j'avais zappé. Donc on l'avait déjà vu, le lit du griffon, hein. On l'avait déjà vu. Il est juste là. Tips worn, gray hairs in the coat. 10-12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Préparation combat. Ne sous-estime jamais ton adversaire est une essentielle du code des sorcières. Ok. Je cherche s'il y a autre chose. D'accord. Alors ça me mène où ? Ça m'amène. Ah, ok. Bah, on va faire ça.
Oh là là, carrefour de voyage rapide, bla bla bla. Ah bah Abel, tu t'es téléporté, tiens. Ok. Like a horse, baby. Ok. Donc, on va d'abord s'occuper de passer par là, ouais. Allez, là. On va faire un petit peu d'annexe. Parce que j'avais envie. Alors, un petit peu d'annexe encore, pardon. Let's go, baby. C'est beau, hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est beau, hein. Je ne m'arrête pas tout de suite pour les ennemis. D'ailleurs, il me reste combien? Il me reste ok 200 XP. T'es moi, ils sont niveau 4 quoi. Trésor caché. Bah il est là. Ah, il y a un noyer de l'autre côté. Je voulais aller le voir, mais il veut pas. Ok, il y a un trésor caché ici. Oui, je sais, je l'ai vu. Ou alors, c'est peut-être pas ça en fait. On va aller s'occuper de ce cher noyé. Voilà. Ouais. Il a droppé quelque chose. Cerveau de noyeur. Je vois vraiment pas comment je suis censé faire en fait. C'est un trésor caché là, je sais, je l'ai vu. On peut trouver les clés peut-être. Alors c'est peut-être pas ça le trésor. Ah attendez, je viens de voir quelque chose. D'accord. Bah bravo hein. Je suis apparemment très fort. Donc ça c'est fait. Alors on va voir qu'est-ce que c'était que ces objets là. On a bientôt niveau 3 pour ça aussi. Hein.
D'accord. Bon, bah on y va, hein. Ça sent le pâté, si vous voulez mon avis. Bon, je suis juste en spectre, oh là là. Voilà. Et un point de compétence, 1. La chili douane tout ça. Ok. Je ne sais plus ce que je cherchais. Tiens, un trophée. D'accord, c'est bien ça. Ah, il faut que je dise le document que j'ai trouvé, d'accord. Je ne savais même pas que j'avais trouvé un document, vous voyez. J'ai fait celui-là, c'est pas le bon. Pas celui-là. Celui-là. Non. Pas du tout. Ah, d'accord. Le document qui est là. Celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, on l'avait déjà lu. Ouais, sauvegarder encore. Désolé, là je suis j'essaye un peu de trouver ce que je dois faire vraiment. Dans le bon sens. Attendez, juste dans un cimetière. Il nous reste 6 endroits à voir. Je crois qu'on va voir les 6, hein. J'aurais pas dû descendre. C'est pas grave. D'accord, il est dans les catacombes, c'est ça? J'aurais peut-être dû sauvegarder avant d'enfoncer. De faire un peu le tour de la zone, hein. Ah, mais j'ai trouvé le schéma, nice. Ouh, désolé, j'écris un peu fort, mais. Ça a l'air bien tout ça. On sauvegarde avant. Alors, inventaire. Ah, moins un dégât, dommage. Mouais, rien d'intéressant. On pourrait dire. Là, il n'y a plus rien à faire. Regardons ailleurs dans la carte des mondes. On va aller là-haut, sur ces deux lieux. Place of power. Should draw from it.
j'aurais pas dû aller aussi loin. Alors, un site de pouvoir et un nid de monstre, d'accord. Voilà. Donc, comment se passe... Bon, on va déjà prendre ça. Donc oui, comment se passe la destruction d'Annie? Bah regardez. On jette la bombe. Et boum! Et voilà. Et voilà, mon cher ami, comment nous détruisons Annie. Oui, c'est vrai. Qu'à chaque fois qu'on détruit Annie, il y en a une qui ripop. Hein. Bon, alors toi. J'ai pas vu venir celle-là. Donc, ça, c'est bon. Donc il nous reste plus que 3 points à faire, qu'on va les faire tout de suite. Et ensuite, nous allons nous arrêter là et dans la prochaine vidéo, nous irons parler à Vesemia. Oh. Did you? Sérieusement? Tout plein de loups. Oh, il veut jouer avec nous. Regardez, il veut jouer. Un peu trop joué à mon goût là. Tout plein de foin de loup rien que pour moi. Ouais. Trop bien. Ah, tout plein, il y en a pas beaucoup, mais... Ok. Trésor est là. Déjà faire F5 parce que je le sens pas. Bah il reste plus que ce coffre hein. D'accord. Donc enquête qu'avons-nous là? Donc enquête secondaire. On a celle-là et enquête trouver le trésor perdu rien à l'aide de vos sens de... D'accord, lisez la lettre que vous avez trouvée. Argent sale. Celui-là n'est pas très intéressant, ça va être du Decraft encore une fois. D'accord. Euh...
Qu'est-ce que je cherchais? D'accord. Non, argent sale d'abord. Là-bas c'est quoi? Ok, c'est là-bas. Bon, on va déjà aller par là. Faisons les choses dans le bon ordre. Enfin, dans l'ordre que je veux plutôt, parce que dans le bon ordre, ça va rien à dire. Trésor caché. Moi je m'en doutais que j'allais pas être seul. Ça me fait du truc gratuit hein. Ah oui, je viens de me rappeler ce que je viens d'oublier. Ce n'est autre que de monter mes points, mon cher Jamy. Ouais. Julien le perse. Ok. T'es sûr que tu veux Voilà, c'est ce que je me disais. Ça vient de me mettre pause tout seul. Ah non, je viens de comprendre pourquoi. Flûte. Non. Voilà, qui est mieux. Non mais j'ai dit non. J'ai dit non, d'accord. C'est par là-bas. Oh, vous allez arrêter, oui. Vilain loup. Ok. Quête Lord des déserteurs. Lisez la lettre que vous avez trouvée. Encore une. Je sais que c'est. Maintenant que les trésors cachés comme ça, ça. C'est juste des quêtes quoi. On s'en occupera après de celui-là. On va déjà s'occuper de celui qui est par là-bas. Faster. Voilà. Ce que j'attendais aussi c'était de lui envoyer sa flèche hein. Parce que c'est vraiment pas facile, faut attendre juste le dernier moment. C'est pas fini encore. Il y a encore plein de trucs à piller. Un PO. PO, quand je dis PO, c'est le poids dans ce jeu. Okay.
façon, je vois pas pourquoi je m'embêterais. Ignir. Voilà. Trop tôt. Il fait un peu n'importe quoi, je vous l'avoue. F5. Donc ici il n'y a plus rien. Donc allons à la suivante, à la quête suivante. Enfin, sur les quêtes annexes suivantes. Où nous dépose-t-elle cette quête ? On nous dépose là-bas. D'accord. Donc quoi, comme je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment rentable de fouiller. What? Attendez, je viens pas de me téléporter là. Il y a eu un changement d'un coup. J'ai pas rêvé. Je crois que je suis fou. Je vois des choses. Aidez-moi. Il y a quelque chose d'intéressant en dessous. Votre GPS vous dit en dessous. Laissez-moi deviner. Par la maison, puis en dessous. Ah non, dans le puits. Mais c'est pas un puits. Ces bruits me font peur. Un truc de dingue. Donc, avant toute chose, oui, ça fera une vidéo plus longue, c'est pas grave, je m'en bats à l'ec. Ça fera une vidéo de 50 minutes au pire. Oui, inventaire. Donc, c'est sympa de savoir que même ça. Voilà. Essayons ça. Ok. Bah essayons pas ça alors. J'ai cru avoir... Ah non, c'est l'épée de Maribor. Ouais, elle est pas si intéressante que ça. C'est sûr qu'on pouvait descendre. Sûr à 100%. Pas ce que je voulais, c'est ça que je voulais. Quelle mise à jour lors des déserteurs, elle est finie, ouais. Attendez, c'était une seule quête les deux? Ah oui. Ah bah d'accord. Voilà. Alors d'accord, d'accord. Je ne le savais pas. On pourra lire, hein, bien entendu.
plein d'objets. D'accord. Ok, ok, ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je me rendrai auprès de Vesemir pour aider l'idée à la quête. On prendra donc là-bas. Je passerai sûrement entre-temps niveau 3, vu qu'il me reste 70 XP, donc j'essaierai de trouver un bon moyen. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était DuzzDead pour Inchiban HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.